garde ta foi avec une bonne conscience. Lorsque votre conscience devient corrompue, la foi ne va pas tenir. Paul est en train de dire à Timothée dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. Verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Lorsque nous avons une bonne conscience, notre foi va rester ferme. Mais lorsque notre conscience devient corrompue, la foi ne va pas tenir parce que tout ce que vous allez faire sera l'effet d'une conscience corrompue et la foi ne va pas tenir. Pour que notre foi puisse tenir, notre conscience doit être pure, notre conscience doit être correcte et la foi va tenir. Paul continue à dire, toujours dans le verset 19, il dit, « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Bien-aimé, lorsque la conscience est corrompue, la foi va faire naufrage. Nous devons faire attention à notre conscience. Notre conscience doit être pure et correcte. Notre conscience ne doit pas être corrompue. Si la conscience devient corrompue, la foi va faire naufrage. Et la personne ne sera pas tenue aux tentations de ce siècle. Nous devons avoir une conscience pure et sainte pour que notre foi puisse rester ferme. Bien-aimé, prie pour que tu puisses avoir ta conscience pure afin de garder ta foi, pour que tu puisses faire le bon combat de la foi et que Dieu vous bénisse.